Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux avec nous ce soir. Ça fait plaisir de retrouver une grande salle toute pleine. Et puis je pense qu'il va y avoir pas mal d'internautes à nous rejoindre tout à l'heure. Alors avant de commencer, je vais demander à Michel Cabaret, qui est le directeur de l'Espace des Sciences, que vous voyez souvent de dos parce qu'il assiste à toutes les conférences. Vous voyez que le sommet de son crâne, le voilà. Parce que c'est la réouverture de l'Espace des Sciences. Et c'est l'ouverture aussi de notre nouvelle exposition temporaire. Voilà, je te laisse, voilà. Michel. Bah écoutez, moi, ça me fait vraiment, comme Maëtte, très plaisir de vous accueillir si nombreux pour cette conférence, d'accueillir aussi Antoine Petit, le président directeur général du CNRS. C'est un honneur pour nous que de t'accueillir, Antoine. Et puis, je voulais vous dire, comme Maëtte vient de l'annoncer, hier, nous avons inauguré notre nouvelle exposition « Intelligence différente par nature ». C'est une création magnifique que l'on a faite avec deux musées, dont un canadien dans le Nord-Québec, un autre plus proche de nous, un musée des sciences à Nantes, et puis notre espace des sciences à Rennes. Vous verrez, cette exposition parle d'intelligence dans le monde végétal, animal, humain, et puis on parle aussi d'intelligence artificielle. Donc on parle des intelligences, et ce soir c'est vraiment une grande joie que de donner la parole à Antoine pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Donc bonne soirée à vous tous, et puis à très bientôt. Il y aura d'autres conférences, je sais, sur le thème des intelligences. Et des conférences qui sont aussi programmées, non pas dans le cadre seulement dans le cadre des mardis de l'espace des sciences. Nous aurons une autre conférence sur le thème intelligence artificielle et médecine avec Bernard Norlinger. Mais mes collègues des champs libres, de la bibliothèque, des champs libres, etc., ont aussi préparé des rencontres avec des philosophes. Voilà, vous regardez les programmes des uns et des autres et vous trouverez votre bonheur. Voilà, en tout cas, merci encore d'être avec nous ce soir. Michel a dit qu'il allait faire 30 secondes, il en a fait même presque moins, j'ai l'impression. voilà, dans le petit dépliant présentant l'exposition, il est écrit ceci: « Les anciens pensaient que l'intelligence était le propre de l'homme. » Animaux et plantes n'avaient pas droit à ce privilège. Aujourd'hui, les nouvelles recherches scientifiques mettent au jour une conception élargie de la notion d'intelligence, capacité à apprendre, à mémoriser, à communiquer, à comprendre son environnement et à s'adapter à des situations inconnues. Et donc, des bactéries aux végétaux, en passant par les animaux et même l'intelligence artificielle, nous prouve qu'effectivement, il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. Et je vous le dis, samedi dernier, il y avait une conférence organisée par mes collègues des Champs Libres et animé par Francis Allais, que vous connaissez probablement, le biologiste, et qui a fait une conférence sur le thème « L'intelligence des plantes ». Et il a expliqué au début qu'il avait mis un grand point d'interrogation, parce qu'il dit il y a 40 ans ou 50 ans, quand j'ai commencé, jamais on n'aurait osé parler de l'intelligence des plantes. Et franchement, ce qu'il nous a raconté ce jour-là, ça fait réfléchir, hein. C'était formidable. Merci, moi je dis comme Michel, merci à vous d'avoir accepté ce challenge de venir nous parler de l'intelligence artificielle, opportunités et risques, voilà, c'est un spectre assez large. Alors auparavant, même si je suis un peu impressionnée parce que c'est le président directeur général du CNRS, je vais quand même, comme je fais d'habitude, raconter un petit peu votre itinéraire de chercheurs, parce que je crois que ça peut toujours donner des exemples un petit peu aux étudiants, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé dans les sciences tout petit. Je ne voulais pas poser la question. Alors moi, quand j'étais petit, je ne me suis jamais posé la question de ce que je ferais dans la vie. Jamais. Pour moi, il y avait une seule possibilité, c'était de faire des maths.
Et j'ai mal tourné, je suis devenu informaticien, mais quand même. Alors, c'est pour moi, il y a eu zéro sujet. En fait, pour être tout à fait franc, et si vous me posez des questions indiscrètes, en fait, j'avais deux passions quand j'étais petit, c'était les mathématiques et le rugby. Mais le rugby, non seulement il n'y avait pas de professionnels à l'époque, en plus, je n'étais pas assez bon. Et dans ma famille, si je n'ai pas vraiment eu le choix de me tourner vers le rugby ou les maths, là, il n'y avait pas photo. Ouais. Puis ça abîme un peu, le rugby. Hein. Non. Aussi, un peu. Alors, donc après, vous avez fait une agrégation de maths et une soutenance de thèse de recherche en informatique. Vous devenez ensuite enseignant-chercheur. Vous m'arrêtez hein, dès que je me trompe, parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Enseignant-chercheur de... C'est le privilège des gens un peu âgés, c'est qu'il y a beaucoup d'années à raconter. De 1984 à 2004, vous devenez donc enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans pendant à peu près 5 ans, je crois, et puis après à l'Université Paris-Sud et à l'ENS Cachan. Il ne porte plus ces mêmes noms. Hein. Tout a changé, c'est l'intelligence artificielle, ça, mais donc Paris-Sud est devenu l'Université Paris-Saclay et l'ENS Cachan est devenu aussi l'École normale supérieure Paris-Saclay. Moi, je rame. De 2004 à 2005, vous entrez au CNRS où vous devenez directeur du département sciences et techniques de l'information et de la communication. De 2006 à 2017, vous entrez à l'INRIA, dont je ne dirai pas la signification parce que vous m'avez dit que ça ne se faisait pas. On peut, INRIA, ça veut dire Institut National de Recherche en Informatique. Donc jusque-là, vous voyez à peu près ce que c'est, et en automatique. Et là, plus personne ne sait ce que c'est. Et donc, quand j'étais responsable d'INRIA, on disait qu'on faisait des sciences du numérique. Il y a un peu plus de gens qui comprenaient. Alors, vous allez devenir assez vite directeur du Centre Paris-Rocancourt jusqu'en 2010. Alors là, ça commence. Hein. Directeur. De 2010 à 2014, vous devenez directeur adjoint, toujours de l'INRIA. Et puis, de 2014 à 2017, président-directeur général de l'INRIA. Voilà. En 2018, vous devenez PDG du CNRS pour un premier mandat qui courait jusqu'en 2022. Et puis là, vous êtes en plein dans votre deuxième mandat qui ira jusqu'à 2026. Mais après, où est-ce que vous allez grimper alors ? Bon, d'abord, c'est le deuxième et le dernier parce que statutairement, on n'a droit qu'à deux mandats. Et en fait, moi, je n'ai jamais fait de plan de carrière. En 2016, quand j'étais à INRIA, en 2017, vous m'auriez dit, dans un an, tu serais PDG du CNRS. Je ne l'aurais pas cru. Donc, en 2026, on verra. On verra. D'abord, je commencerai à plus être tout jeune. Et puis, on verra. C'est le plaisir de la vie, c'est de ne pas toujours savoir ce qui va se passer le coup d'après. Hein. Alors, ce n'est pas très souvent, quand même, qu'on reçoit un président directeur général comme cela, qui va nous donner une conférence. Vous en faites quelques-unes, je pense. C'est une manière un petit peu de vous retrouver face au grand public. Vous aimez bien, je crois, la transmission aussi. Alors oui, la transmission. Moi, j'étais pendant 20 ans enseignant-chercheur. Je pense que c'est quelque chose d'important. Après, quand on est PDG du CNRS, le CNRS couvre tous les champs du savoir. Et donc, aujourd'hui, je ne sais rien sur tout. Ah oui. Pour une fois, il y a un sujet où je connais un peu mieux. Donc je suis ravi de pouvoir partager. Je vais vous l'expliquer, c'est pas une conférence pour spécialistes, mais je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Beaucoup de gens s'interrogent, et je voudrais essayer via la conférence de peut-être démythifier un peu tout ça et de peut-être ensuite entraîner un débat, parce que je pense qu'il y a des vraies questions de démocratie, de décision à prendre, et que c'est déflorer la conclusion, mais quand même, le monde qui est devant nous demain, c'est à nous de le construire. Et donc, c'est à nous de décider quelle place on va vouloir donner à l'intelligence artificielle et pas penser que c'est quelque chose qui va arriver et que nous avons à subir. Ouais, mais enfin, il y a des petites choses quand même qui font un peu peur. D'ailleurs, on va voir avec vous hein, ce que vous nous racontez là-dessus. Je pense qu'on va passer une très très bonne soirée, très informative. Merci beaucoup à l'équipe de l'Espace des Sciences qui m'aide à programmer et à organiser ces conférences scientifiques. Je vais vous laisser aller au pupitre et puis on se retrouve tout de suite après pour les questions. Qui seront sûrement nombreuses, je le pense. Il y a déjà 100 spectateurs qui nous ont rejoints sur Internet. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Merci à Michel. C'est toujours un plaisir de venir à Rennes. Je venais très souvent quand j'étais INRIA. À INRIA, j'ai un peu moins souvent depuis que je suis au CNRS, mais quand même, je viens régulièrement. Alors, si vous n'aimez pas le suspense et que vous voulez connaître le coupable, et une opportunité ou un risque, c'est les deux.
D'accord, c'est les deux, et que la vraie question, c'est finalement quelle balance avoir entre opportunité et risque, c'est ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. Aujourd'hui, qui parle d'intelligence artificielle parle de ChatGPT. D'accord ? Je crois que c'est à peu près inévitable. Et après avoir envoyé le résumé à Michel, je me suis dit, mais t'es vraiment idiot, t'aurais dû demander à ChatGPT. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, c'est une copie d'écran, donc voilà, je dois faire une conférence grand public sur intelligence artificielle, risque et opportunité. Alors, je me suis rendu compte que j'étais un peu familier avec ChatGPT. J'ai dit, tu peux me faire un résumé d'environ 200 mots. Je fais partie d'une génération, quand même, parler aux machines, ça reste quand même un truc un peu bizarre. Et donc, on parle aux machines, moi, je l'ai tutoyé, ChatGPT. Et ChatGPT est beaucoup plus respectueux, et il me répond. Il me dit, voilà un résumé de votre conférence. Et vous voyez, il y a deux écrans, mais je pense que ça vaut le coup de lire. Donc, l'intelligence artificielle incarne une avancée technologique fascinante avec des implications profondes pour notre société. Cette conférence explore les risques et opportunités inhérents à l'IA. D'un côté, les opportunités sont vastes. L'IA révolutionne la médecine, l'industrie, les transports et bien d'autres domaines. Elle accroît l'efficacité, la précision et la créativité des tâches. Cependant, ces avantages s'accompagnent de défis. Les risques associés à l'IA sont multiples. La question de la vie privée se pose avec acuité, car l'IA nécessite d'énormes quantités de données. Je fais une petite parenthèse, le quart pour être discuté. On ne voit pas très bien le rapport entre le fait... Mais voilà, c'est... Les biais algorithmiques sont une préoccupation, car ils peuvent renforcer les stéréotypes existants. De plus, l'automatisation poussée par l'IA soulève des inquiétudes quant à la perte d'emplois traditionnels. La sécurité constitue également un risque majeur. Les cyberattaques sophistiquées pourraient exploiter les vulnérabilités de l'IA, tandis que la création d'IA malveillante soulève des préoccupations éthiques. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. D'accord ? Je continue. Pour naviguer dans ce paysage complexe, une réglementation adaptée est cruciale. Les gouvernements, les entreprises et la société doivent collaborer pour établir des normes éthiques et juridiques pour le développement et l'utilisation de l'IA. Ainsi, nous pouvons exploiter les opportunités offertes par l'IA tout en minimisant les risques potentiels. En somme, merci ChatGPT de me dire ce que je vais raconter, cette conférence aborde les multiples facettes de l'IA en mettant en lumière à la fois ses promesses et les défis qu'elle engendre. Elle invite à une réflexion collective sur la manière de façonner un avenir où l'IA contribue positivement à l'humanité. Franchement, je trouve ça vraiment bluffant, mais il y aura un mais ce n'est pas tout de suite. Mais je trouve que ça illustre quand même la force de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit qu'il y a une opportunité qui est réelle. Mais quand même, ça a été dit plusieurs fois, je suis PDG du CNRS aujourd'hui, donc il faut quand même que je vous donne trois slides sur le CNRS, sinon je vais me faire gronder par mes troupes. Donc le CNRS, qu'est-ce qu'on fait au CNRS ? On fait de la recherche fondamentale. C'est ça notre métier, c'est de faire de la recherche fondamentale. Et ne me dites pas, la recherche fondamentale, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que vous avez tous entendu parler du Covid. Et ceux qui disent là que c'est une question, commencez à m'inquiéter. Hein, donc l'ARN messager aussi, vous avez entendu parler, c'est découverte, c'est Jacob et Monod, prix Nobel en 1965, découverte dans les années, début des années 60. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale. Vous voyez que 60 ans après, il y a des explications qui ne sont quand même pas totalement négligeables, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Donc on a besoin de faire de la recherche fondamentale, avec des implications qui sont peut-être 60 ans après, mais qui sont souvent plus tôt, fort heureusement. Donc, on a deux fondateurs au CNRS qui sont tous les deux au Panthéon, donc on en est très fiers, qui sont Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, et Jean Zay, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, puisqu'on lui doit le CNRS, qui est déjà pas mal, je trouve, le Palais de la Découverte et le Festival de Cannes. Pour un seul homme, c'est quand même pas mal, surtout qu'il est mort à 40 ans, assassiné par les milices de Vichy en 44. Ils sont tous les deux en Panthéon, on en est très fiers. Et si vous êtes féru d'histoire, 19 octobre 1939, c'est quelques semaines après la déclaration de guerre à l'Allemagne. Et donc ça veut dire qu'au fond, dès le début du CNRS, ça a été créé avec l'idée qu'on allait avoir besoin de recherche fondamentale. En l'occurrence, le 19 octobre 1939, c'était pour préparer le conflit qui s'annonçait. Évidemment, personne ne pouvait savoir qu'il allait durer aussi longtemps, être aussi sanglant. Mais c'est-à-dire qu'au fond, dès le début, on a créé le CNRS avec l'idée que oui, on fait de la recherche fondamentale, mais oui, elle est faite, cette recherche fondamentale, au bénéfice de la société de façon générale. Donc je vais aller vite. Aujourd'hui, le CNRS, c'est un gros but, c'est beaucoup de personnes. Hein. On emploie 32 000 personnes tout le temps, en permanence. On a un budget de 4 milliards d'euros.
On crée, ça, les gens le savent peut-être moins, je vais insister là-dessus, on crée entre 80 et 100 entreprises par an, et on a plus de 250 laboratoires de recherche communs avec des industriels, dans lesquels on fait de la recherche fondamentale, mais sur des questions qui ont été définies avec nos partenaires industriels. Et bien sûr, on est en partenariat étroit, c'est le système français, avec les universités, les écoles et les autres organismes de recherche. Quelques exemples de recherche sur lesquels on travaille, dont vous avez probablement entendu parler, ou peut-être entendu parler, la fameuse découverte du boson de Higgs en 1912 au CERN, travailler sur l'impression 3D de tissus biologiques et d'organes, les expéditions Tara qui partent et qui reviennent souvent de l'Orient, les ondes gravitationnelles qui ont été, qui ont été mises en évidence alors que Einstein avait dit que ça existait, mais on ne les avait pas mises en évidence. C'est aussi la première image que vous avez probablement vue dans les journaux d'un trou noir. C'est le rover Perseverance sur Mars. C'est le chantier Notre-Dame, c'est un supercalculateur et c'est la modélisation. Pourquoi je vous ai pris ces exemples-là? Parce que, bien que ça ne soit pas complètement évident de premier abord, dans tous ces exemples-là, il y a plein d'intelligence artificielle. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de l'impact. Je vous ai dit ARN messager 60 ans après. Vous allez me dire, mais s'il faut qu'on attende 60 ans pour qu'on se rende compte si ce que fait le CNRS sert à quelque chose, c'est un petit peu long, mais utile quand même, hein. Mais heureusement, de temps en temps, on va plus vite. Donc, je vous disais, on crée entre une centaine de start-up par an. Et voilà quelques exemples sur lesquels je ne vais pas détailler, je ne vais pas entrer en détail, d'intelligence de start-up dans lesquelles l'intelligence artificielle est absolument clé, notamment dans le domaine de la santé ou de la cybersécurité. Bien. Mais revenons à l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est quoi ce truc là dont tout le monde parle? Est-ce que ça vient d'arriver? Mais en fait, ce n'est pas une nouveauté, l'intelligence artificielle, et c'est vraiment le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous vivez depuis des années avec de l'intelligence artificielle. Vos smartphones, et je pense que si je fais un sondage pour savoir qui n'a pas de smartphone, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont lever la main, vos smartphones sont pleins d'intelligence artificielle. Si je remonte un peu plus en arrière même, l'ABS est une forme d'intelligence artificielle qui équipe à peu près toutes nos voitures. Les avions et les trains sont pleins d'intelligence artificielle. Vous savez que ce qu'on dit dans un cockpit d'avion, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des conditions de sécurité maximales, il faut mettre dans le cockpit un homme et un chien, l'homme pour nourrir le chien, et le chien pour empêcher l'homme de toucher à quoi que ce soit. Autre exemple d'intelligence artificielle, le site impots.gouv.fr, que j'imagine, comme moi, malheureusement, chaque année, on est obligé d'aller voir. Souvenez-vous, pour les plus vieux, d'il y a 20 ans ou 30 ans, on avait des papiers partout, il fallait... Bon. Allociné, si vous êtes falaciné, c'est 10 heures. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, elle est présente partout. Ce qui veut dire que, si parmi vous, il y a des gens qui disent « l'intelligence artificielle, moi pas », c'est votre droit le plus strict, mais à ce moment-là, vous renoncez à tout ça. Et là, je pense qu'il va y avoir moins de volontaires. D'accord ? Et donc, le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que, à moins de vous réfugier au fin fond d'une île lointaine de Bretagne ou d'une forêt, c'est pas envisageable de vouloir renoncer à l'IA, pas plus au fond qu'à l'électricité, au moteur à explosion, aux médicaments. Alors, vous pouvez me dire, si, moi, je suis prêt à renoncer à tout. OK, il y a quelques olibrius qui vont vouloir refuser à tout, mais fondamentalement, personne n'est prêt à renoncer à l'électricité, au moteur à explosion, aux médicaments, et personne, au fond, n'est prêt à renoncer à l'IA. Donc, en fait, la question, ce n'est pas de savoir si l'IA va nous impacter, que ce soit dans notre cadre professionnel ou dans notre cadre personnel. La question, c'est comment et quel poids, quel rôle, quelle place on va donner à l'IA. Et ça, c'est de notre responsabilité, et nous devons être, et ça, c'est une conviction profonde, nous devons être les acteurs de cette transformation digitale. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est pourquoi on parle de l'intelligence artificielle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est qu'il y a eu une accélération extrêmement importante. Rappelez-vous que c'est un monde qui va très vite, hein. Un petit quiz rapide, c'est la date de création de Google. 1998. Il y a 25 ans. Donc pour les plus jeunes qui vivent avec Google depuis qu'ils sont petits, dites-vous qu'à 25 ans, il n'y avait pas Google. On a vécu pendant, pour ma part, longtemps,
Je ne vous dis pas tout de suite mon âge, mais vous allez le savoir tout à l'heure. On a vécu longtemps sans Google. D'accord ? Et donc, on est... Et ça paraît impossible. Quand vous dites aujourd'hui à un adolescent il y a eu une vie sans Google, c'est comme si vous disiez il y avait une vie sans l'électricité. Enfin, ce n'est pas envisageable. Et il y a eu une accélération, et j'ai mis quelques exemples d'accélération, de facteurs d'accélération. Si Siri, 2010, donc ce premier façon de converser avec un iPhone, en l'occurrence, IBM Watson, Jeopardy, pour la première fois, une machine gagne contre un être humain. C'est à peu près à cette époque que Deep Blue a gagné contre Kasparov aux échecs. Et à l'époque, on disait, ah, d'accord, bon, les échecs, mais le Go, jamais. Jamais, le Go. Jamais. 2014, les premiers traducteurs oraux en temps réel, donc vous parlez en français, ça traduit en anglais. 2014, la voiture automatique, entre guillemets automatique, hein, parce que on pourrait faire une conférence entière sur la voiture automatique. La Google Car ou n'importe laquelle des voitures automatiques, vous les mettez place de la Concorde et vous leur donnez rendez-vous à l'Arc de Triomphe, là, vous serez à la retraite depuis longtemps, quelle voiture ne sera pas arrivée. Hein, donc, il faut être conscient de ça. AlphaGo en 2017, où là, vous voyez qu'en fait, il s'est écoulé seulement 6 ans entre le moment où on a dit non, le Go jamais, et AlphaGo. AlphaGo, ce qui est intéressant, c'est qu'une machine a battu les meilleurs joueurs de Go du monde. Et ce qui est intéressant, et ce qui probablement peut faire rebondir sur l'introduction qui a été donnée tout à l'heure, c'est quoi l'intelligence ? C'est que AlphaGo, à un moment, a joué un coup que les meilleurs spécialistes de Go ont dit « Tiens, il fait une connerie ». Et en fait, il s'est avéré que ce coup était un coup génial. D'accord ? Donc ça veut dire que AlphaGo ne se contente pas de répéter des choses qu'il a déjà vu faire. Il est capable, on peut dire, de créer de nouveaux coups, parce qu'on lui a expliqué quelle était la tactique à poursuivre. En fait, il faut optimiser sa probabilité de succès. Et à un moment, AlphaGo s'est dit « Tiens, si je joue ça, ça a optimisé ma probabilité ». Les êtres humains, probablement, c'était une capacité à raisonner trop loin en nombre de coups. Et donc, ils ont dit, ben non, c'est idiot, ce coup est idiot, il s'est avéré. Donc ça, c'est un point important, c'est que l'intelligence artificielle, on va y revenir, c'est pas juste répéter bêtement ce qu'on lui a appris de faire. Et puis, bien sûr, dernier exemple en date, ChatGPT, je vais y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces succès ? Et j'ai mis des guillemets autour de succès, notamment à cause de ma remarque sur la Google Car. Et qu'est-ce qui a changé, cette fois pas depuis 1998 et Google, mais quasiment depuis 10 ou 15 ans ? C'est en fait une conjonction de facteurs. Le fait qu'on a des données disponibles en quantité de plus en plus importante. Et comme je vais vous l'expliquer dans un instant, l'intelligence artificielle aujourd'hui apprend sur des ensembles de données qui sont absolument colossaux. Ce qui fait une vraie différence avec l'apprentissage humain. D'accord ? Rappelez-vous, ou si vous en avez peut-être encore, vu l'âge divers des... Les enfants, les petits-enfants, vous leur montrez trois chiens, trois chats, ils sont capables de distinguer un chien d'un chat le coup d'après. Vous allez voir que la machine, c'est plus compliqué que ça. Donc, premier élément pour lequel il y a eu des progrès absolument gigantesques, donc ces données qui sont de plus en plus importantes, qui posent des problèmes... ChatGPT nous l'a dit tout à l'heure, j'y reviendrai. Des ordinateurs qui sont plus puissants, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ce ne sont pas juste des algorithmes brute force, force brute, dans lesquels on testerait tout. C'est derrière, il y a beaucoup d'intelligence humaine. Et donc, si je reprends la comparaison ou l'analogue qui avait été fait avec les plantes ou les animaux, eux, ils n'ont pas besoin de nous pour être intelligents, pour avoir une forme d'intelligence. La machine, elle a besoin de nous. D'accord ? Donc il y a une vraie différence, et il y a beaucoup d'intelligence humaine, et en tant que, alors, j'ose plus dire chercheur en informatique, parce que je ne le suis plus vraiment, mais en tant que j'ai été chercheur en informatique, heureusement, et je ne suis pas le seul dans la salle, j'en vois plusieurs, heureusement, parce que ça veut dire qu'on a encore plein de boulot à faire. D'accord ? Et il y a en fait énormément de boulot à faire, j'y reviendrai. D'accord ? Donc c'est cette conjonction de plus de données, des ordinateurs plus puissants, mais aussi beaucoup d'intelligence humaine. Il y a des efforts donc, sur tous les pays de la planète en termes de recherche en informatique, que ce soit dans le secteur académique ou dans le secteur privé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a
une capacité à apprendre qui est assez exceptionnelle. Comment la machine apprend ? Elle apprend, je simplifie et les spécialistes qui sont dans la salle pourront m'en vouloir à la fin, mais j'essaie de vulgariser un peu. Il y a une technique qui est extrêmement importante qui s'appelle le deep learning. Alors, je pourrais le dire en français, l'apprentissage profond, mais souvent, même à la radio, on entend, ou dans les journaux, on lit cette notion de deep learning. Et c'est une technique qui explique comment la machine apprend. Et comment la machine apprend, c'est pas facile d'apprendre pour une machine. Imaginez ce que c'est qu'une image pour une machine. C'est quoi ? C'est un ensemble de pixels. Donc comment une machine, mettez-vous à la place d'une machine, comment une machine fait-elle la différence entre Mario et, je sais pas quoi, un chien, un chat ? Pour la machine, c'est qui Mario ? J'ai jamais entendu parler de Mario. C'est quoi un chien, un chat ? D'accord ? Et donc, comment la machine apprend ? Ça a été pendant très longtemps un sujet de recherche important dans les communautés informatiques. Et en fait, on a complètement changé de paradigme. Avant, on essayait d'expliquer à la machine ce qu'était un chat ou un vélo ou un chien ou Mario. Et grâce aux nouvelles techniques, grâce aux données, on a complètement changé de capacité. On fait de l'analyse d'image de la façon suivante. Vous allez donner à la machine 1 million d'images de chats, qui sont donc à votre gauche, et vous dites ce sont des chats. Vous lui donnez 1 million d'images de chiens, ce qu'il y a sur la droite, et vous lui dites ce sont des chiens. Et la machine va apprendre, sans qu'on sache très bien pourquoi, ce qu'est un chat ou ce qu'est un chien. Et quand vous lui donnez maintenant une nouvelle image, en lui disant « Et alors ça, c'est quoi ?», elle ne se trompera pas. Ou plus exactement, elle se trompera un peu, mais pas plus que vous et moi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que comme on ne sait pas très bien comment elle a appris, elle va se tromper de manière très différente de nous. C'est-à-dire, vous pouvez trouver sur le web des exemples fameux où la machine se trompe. Typiquement, vous faites la différence. Alors, ce n'est pas entre chat et chien, mais c'est entre lion et mouton. Et puis, à un moment, vous mettez un lion dans un environnement de savane. Vous mettez, pardon, un mouton dans un environnement de savane et la machine dit c'est un lion. Parce qu'en fait, ce qu'elle a appris, c'est non seulement l'animal dont elle ne sait même pas ce que c'est, mais c'est l'environnement. Et donc là, peut-être que la savane avait une telle place que la machine dit non, mais ça, je vois bien, c'est ceux de la partie gauche du truc, donc c'est un lion. Donc la machine se trompe, mais pas comme nous, et elle a une capacité d'apprentissage qui est absolument extraordinaire. Alors vous allez me dire, d'accord, très bien, la machine, elle fait les chats, les chiens. Moi, mon petit-fils qui a 3 ans, il le fait aussi. Bravo. Sauf que ces mêmes techniques permettent, par exemple, pour une machine, de faire la détection entre des mélanomes cancéreux et des mélanomes pas cancéreux. Donc, c'est-à-dire quoi ? Si vous donnez 1 million d'images de mélanomes cancéreux à la machine, vous lui dites « ils sont cancéreux ». Vous lui donnez 1 million de mélanomes non cancéreux, vous lui dites « ils ne sont pas cancéreux ». Puis, vous lui donnez une image de mélanome, et la machine vous dit, avec 95% d'efficacité, il est cancéreux ou pas cancéreux. D'accord ? Si vous réfléchissez bien, c'est presque un peu magique, parce que la machine ne sait évidemment pas ce que c'est qu'un mélanome, la machine ne sait évidemment pas ce que c'est qu'un cancer, d'accord ? Mais grâce à ces techniques de deep learning, elle a réussi à apprendre. D'accord ? Et cette technique, c'est celle qui, encore une fois, je simplifie un peu, est derrière aussi les succès en ce qui concerne le Go, et aussi les voitures automatiques. Les voitures automatiques fonctionnent essentiellement en prenant des images et en analysant ces images. Et en analysant ces images, avec des techniques qui sont comparables, on arrive à avoir les succès qu'on a. D'accord ? Donc il faut accepter que la manière dont la machine est intelligente, et vous mettez tous les guillemets que vous voulez autour de ça, n'est pas la même que celle dont nous sommes intelligents, ce qui va poser des problèmes d'explicabilité, et pour vous et pour nous, d'acceptabilité. Mais qui, au fond, sont un peu bizarres. Parce que vous allez voir un dermatologue et il vous dit « Madame, monsieur, écoutez, je suis absolument désolé, mais votre mélanome est cancéreux. » Vous ne lui demandez pas comment vous le savez. N'est-ce pas ? Et là, vous allez demander à la machine, qui est évidemment incapable d'expliquer. Bon, après, est-ce qu'il faut faire plus confiance à la machine qu'au dermato ? C'est pas ce que je dis. D'accord ?
Mais au fond, la connaissance qu'a la machine, ça nous perturbe tellement qu'on lui demande des choses qu'on ne demanderait pas à un spécialiste. Autre exemple fameux, vous avez peut-être vu ça, une voiture automatique qui, à un moment, a le choix entre écraser une grand-mère et un petit garçon. Et la question, c'est qui la voiture va-t-elle écraser ? Et moi, ma réponse est toujours la même, c'est « et vous ?» Vous pouvez me demander à moi, je ne vous dirai pas, mais... Donc, voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi dans l'intelligence artificielle, c'est que ça nous oblige, au fond, à nous poser des questions sur notre propre comportement. Donc, je reviens à cet exemple-là sur les mélanomes. Ce qui est important dans un exemple comme celui-là, ce n'est pas de se dire que la solution, et j'y reviendrai, est d'opposer la machine au dermatologue et de dire « je vais remplacer la machine par le dermatologue ». Parce qu'encore une fois, la machine va se tromper, le dermatologue aussi. Simplement, imaginez quelle aide c'est au fond pour le dermatologue. Ce qui n'est pas étonnant si on y réfléchit bien, parce que le dermatologue, il a peut-être vu, je ne sais pas, même 100 mélanomes par jour, ça sent beaucoup moins, ou 10 par jour, d'accord ? Et il a appris ça, vous faites des calculs, sur 10 ans, il en a vu 10 fois, etc. La machine, elle en a appris bien plus. Donc ce n'est pas étonnant en soi. D'accord ? Et donc le fait qu'il y ait des moments, ça soit une opportunité, l'intelligence artificielle, c'est assez naturel. Alors, les opportunités, c'est dans quel secteur ? Donc ça, c'est un dessin où il y a à peu près le monde entier. Donc la réponse est au fond assez simple, c'est dans tous les secteurs, il y a des opportunités pour l'intelligence artificielle. Et je vais vous donner quelques exemples de domaines d'application, et pour chacun d'eux, ou pour un certain nombre d'eux, des exemples très, très concrets de domaines d'application. Premier exemple, divertissement et loisirs. Vous connaissez tous Game of Thrones ? Même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez quand même ce que c'est. D'accord ? Et vous voyez que là, Game of Thrones, c'est un acteur, et puis derrière, une foule. Et là, ce n'est pas des vrais gens. D'accord ? Et ça a été fait par une start-up qui s'appelle Golaem. Et vous connaissez évidemment tous cette start-up, puisqu'elle vient de l'INRIA, de l'Université de Rennes et du CNRS. Donc, ça a été développé ici, à Rennes. Et vous voyez que la recherche fondamentale, Game of Thrones, vous voyez quand même que c'est l'application directe. D'accord ? Et le fait d'être capable de simuler des foules comme ça est extrêmement important pour Game of Thrones, mais c'est important aussi, par exemple, quand on veut dessiner des plans d'un nouveau stade ou d'un nouvel ensemble qui est destiné à accueillir du public, parce qu'on veut faire des simulations pour évacuer les gens, par exemple. Donc, vous voyez que dans le domaine, et c'est donc un exemple, et j'aurais pu en prendre des exemples dans le sport. En médecine, c'est probablement le secteur dans lequel il y a le plus d'applications potentielles absolument extraordinaires. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la dermatologie. Ce vers quoi on s'oriente de plus en plus, c'est ce qu'on appelle une médecine personnalisée. C'est-à-dire, en fait, on va être capable, avec vos données, couplées à des modèles généraux, d'avoir une capacité de pronostic qui est complètement hors de portée aujourd'hui de ce qu'on peut avoir. Un autre champ qui est absolument fascinant, c'est ce qu'on appelle en anglais les BCI, donc Brain Computer Interface, donc les interfaces cerveau-machine. Et l'idée, en fait, c'est d'aller lire des signaux qu'il y a dans le cerveau pour les interpréter. Alors, et ça a des applications dans plein de domaines. Par exemple, pour les personnes handicapées, et le principe est, là encore, je schématise, le suivant, c'est si vous levez le bras droit, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Mais si vous pensez à lever le bras droit, il se passe à peu près la même chose. Et donc, vous êtes capable d'aller mettre un casque qui, pour le moment, vous le voyez, est un peu invasif, sur le cerveau, qui va être capable de lire que vous voulez lever le bras droit, et à ce moment-là, ça fera l'action qui va bien. Donc là, c'est un exemple pour des personnes en situation de handicap, mais vous pouvez avoir aussi ce genre d'aide en réalité augmentée aussi pour des gens qui travaillent sur le terrain dans des conditions difficiles. Et ça, des exemples comme ça, on en a plein. C'est probablement la médecine, un domaine dans lequel il y a plus d'applications potentielles. Autre exemple, l'environnement, l'énergie. C'est un sujet qui a un tout petit peu l'actualité. Et il y a probablement un domaine dans lequel l'intelligence artificielle sera absolument utile. C'est ce qu'on appelle pour faire la grille intelligente. Donc vous entendez les débats en disant « faut du nucléaire, non, il faut de l'éolien, pas du tout, il faut du solaire. » Ceux qui disent « faut du charbon », ils n'ont pas tout compris. Mais
Et en fait, la vérité, c'est qu'il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout et il faut être capable de prendre de l'énergie un moment dans tel endroit, quand c'est là où elle est la moins chère, puis la remettre. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la grille intelligente. Et là, la grille intelligente, c'est essentiellement de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle a aussi un impact dans un domaine qui est quand même absolument majeur aujourd'hui, qui est toute la question de la transition énergétique. Autre exemple, la robotique. Donc, la robotique, les drones. Alors, les drones, on en entend parler aujourd'hui beaucoup dans le conflit ukrainien, mais les drones, c'est aussi utile, par exemple, pour surveiller les forêts, pour surveiller les élevages. Ça a un tas d'applications absolument intéressantes. Et les drones, c'est des intégrations de logiciels et de matériel avec beaucoup d'intelligence artificielle, tout ce qui est impression 3D. Et puis, vous savez qu'il y a un sujet qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui, qui va devenir de plus en plus, et je le dis particulièrement moi qui n'ai plus tout à fait complètement jeune, c'est la question du ouais, encore les robots, mais les robots face à l'empathie, ça ne marche pas. Et ce dont les gens ont besoin, c'est qu'on s'occupe d'eux. D'accord ? Donc là, vous avez un exemple d'une vieille dame qui embrasse son petit robot, ce qui peut nous sembler encore un peu bizarre. Si j'avais remplacé, comme ça se fait au Japon depuis des années, ce robot-là par un robot qui ressemble à un animal, une peluche, vous trouveriez ça déjà moins normal. Et au fond, je force un tout petit peu le trait, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est l'amour ou les preuves d'amour ? Et au fond, un robot, il peut vous apporter plein de preuves d'amour. Et donc le fait de dire, non mais d'accord, mais tout ça, ça ne remplacera pas la chaleur humaine. Entre les vieilles personnes qui meurent seules dans les EHPAD en ce moment, abandonnées par leur famille, et ces mêmes personnes auxquelles vous allez donner un robot compagnon qui va leur apporter un mini... Je ne tranche surtout pas, je ne trancherai sur rien ce soir, mais je pense que la question mérite d'être posée. Autre exemple, l'emploi et le travail. Donc les notions de réalité virtuelle augmentée sont en train de révolutionner un tas de métiers. La question de visualisation aussi. Tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, où là vous avez deux exemples assez opposés, avec dans un cas la capacité de savoir où sont les containers. En vrai, il y a tellement de containers qui se promènent à travers la planète qu'au fond les gens ne savaient plus où étaient les containers. Et maintenant vous pouvez mettre un petit capteur sur chaque container et vous savez où l'Internet c'est. Vous pouvez aussi vous en servir pour compter les... Alors ça, je me fais avoir à chaque fois. Alors, je ne sais jamais si c'est un hippopotame ou un rhinocéros. Donc, il y a sûrement des spécialistes dans la salle qui vont me dire non, il connaît rien. Voilà. Donc, quand il y a les spécialistes, ils me disent que j'y connais rien. Mais je ne sais plus. C'est un rhinocéros. Bon, soit. On demandera à ChatGPT tout à l'heure. Hein. L'éducation est sûrement un domaine dans lequel... Déjà, ça a commencé, hein. Il y a tout ce qui est reconnaissance automatique de la parole, tout ce qui sont les robots apprenants qui peuvent être des robots personnalisés, il y a toutes les questions de traduction automatique, toutes les questions d'agents conversationnels. Donc ça fait énormément de domaines dans lesquels il y a des opportunités fantastiques pour l'intelligence artificielle. Les transports, là je vais aller plus vite, le véhicule automatique, c'est une évidence. Une autre technique auquel, à titre personnel, je crois beaucoup plus à l'applicabilité à court temps, c'est ce qu'on appelle le platooning. Le platooning, ça veut dire que vous êtes sur l'autoroute, puis vous vous accrochez virtuellement au véhicule qui est devant vous, et pendant ce temps-là, vous lisez le journal, et sur l'autoroute, il ne peut rien se passer. Le véhicule automatique tout seul qui va aller de la place de la Concorde à la place de l'Arc de Triomphe, ce n'est pas pour tout de suite. Et bien sûr, ce n'est pas seulement dans les voitures. Aujourd'hui, j'en ai parlé pour les avions tout à l'heure, pour les trains, il y a partout l'intelligence artificielle. La sécurité, la surveillance des foules, avec le mauvais côté que ça peut avoir, et là, on touche du doigt, je vais y arriver, la question de risque. C'est qu'au fond, la surveillance des foules, si c'est pour protéger les gens, c'est formidable. Si c'est pour les fliquer, ça l'est moins. Toutes les questions liées à la cryptographie, qui sont absolument essentielles. Et puis, une notion sur laquelle on devrait avoir une réflexion, c'est toute la question du droit à l'oubli sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous avez mis une photo de vous à 15 ans, habillé comme on l'est à 15 ans, peut-être quand vous en avez 40 ou 50, vous n'avez pas vraiment envie. Et le droit, et dans cet exemple-là, c'est un exemple particulièrement soft, si je peux dire. Donc finalement, si je résume, je prends n'importe quel secteur, ou à peu près n'importe quel secteur, l'intelligence artificielle offre des opportunités exceptionnelles. Mais c'est aux professionnels du secteur
d'être les acteurs de cette transformation sous le risque de se voir intermédiés. Intermédiaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va se mettre entre eux et le client. On a déjà des exemples comme ça. Le site Booking, que j'imagine un certain nombre d'entre vous utilisent, c'est quelque chose qui s'est mis entre les hôteliers et les clients. Et c'est eux qui récupèrent une partie du bénéfice. D'accord ? Et donc, vous avez un tas d'exemples comme ça, où en fait, vous avez des acteurs nouveaux qui sont arrivés, des acteurs qui n'existaient pas il y a quelques années, mais qui se sont mis à capter une partie du bénéfice. D'accord ? Et là, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent dire « pas moi ». Et il n'y a encore pas si longtemps, il y avait deux secteurs qui disaient « oh, pas nous ». C'était les médecins. Je pense qu'ils peuvent faire partie des professions qui peuvent s'inquiéter. Et les avocats. D'accord ? Et là, c'est encore plus vrai, si je peux dire, parce que lire des jurisprudences, ça, une intelligence artificielle peut lire, peut avoir une jurisprudence qui est bien plus importante que tout cabinet d'avocats, aussi gros soit-il. Donc, et là encore, hein, il ne s'agit pas de dire que l'intelligence artificielle va les remplacer ni les médecins ni les avocats, mais juste de dire que deux exemples de métiers ou de professions dans lesquels les gens disaient vraiment non, pas nous, bah, ça s'est vraiment avéré. Et je pense que, et un des premiers messages que je voudrais faire passer, c'est que, au fond, l'IA est une machine avec laquelle l'homme doit coopérer pour être plus performant. Et c'est ce que nous faisons quasiment depuis le début de l'humanité avec les différents outils, les différentes machines qu'on a pu avoir à notre disposition. Donc, c'est vrai que c'est une machine qui est plus performante qu'un certain nombre de celles qu'on a déjà inventées, mais fondamentalement, c'est une machine avec laquelle il faut qu'on apprenne à collaborer. Bien. Alors, quand même, hein, après cette présentation quasiment idyllique de l'intelligence artificielle et de toutes ces opportunités, il y a des risques, n'est-ce pas ? Hein, quand même. Oui, c'est la singularité. Alors, c'est quoi la singularité ? C'est une théorie qui affirme qu'une nouvelle ère de machines qui va dominer l'humanité, et ça sera possible quand les systèmes d'IA deviendront super intelligents. Alors déjà, je fais une petite parenthèse qui est presque de la philosophie. Est-ce que vraiment vouloir dominer le monde est une preuve d'intelligence ? Est-ce que vraiment, si un jour, il y a une machine qui est super intelligente, est-ce qu'elle n'aura pas autre chose à foutre que de vouloir nous dominer, nous, misérables fourmis? Donc, je trouve ça intéressant quand même de se dire, la seule chose qu'on arrive à imaginer avec les machines, c'est nos propres turpitudes, et se dire qu'on va les transférer à la machine. Par ailleurs, cette théorie de la singularité, qui a été portée par des gens pour lesquels on ne peut avoir que le plus profond respect, je vous ai mis une photo de Stephen Hawking. De mon point de vue, ça peut juste dire, mais c'est presque rassurant, qu'on peut être un physicien génial et pas nécessairement bien comprendre ce que c'est que l'IA. D'accord ? Donc, cette théorie de la singularité avec la machine qui va prendre le pouvoir, alors évidemment, comme c'est quelque chose qui repose sur rien de très précis, il y a des gens de Stanford qui ont expliqué non, c'est pas vrai. Plus récemment, vous avez peut-être vu cet appel de Elon Musk qui dit qu'il faut faire un moratoire sur l'IA. Alors, très franchement, des gens qui aujourd'hui disent qu'il faut faire un moratoire sur l'IA, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que vous n'allez pas interdire à tous les chercheurs de la planète, qu'ils soient publics ou privés, d'arrêter de bosser pendant 6 mois. Mais si c'est Elon Musk qui le dit, là, vous pouvez que rire. Parce que s'il y en a bien un qui utilise l'IA au quotidien, c'est Elon Musk. Et donc, sans être complotiste, parce qu'il faut veiller à ne pas être complotiste, vous pouvez même vous poser la question de savoir pourquoi il a raconté ça. Et est-ce que ce n'est pas une façon de se dire, attention, il y en a qui sont en train de prendre un peu d'avance sur moi. Est-ce que s'ils s'arrêtent pendant 6 mois, je ne vais pas réussir à les rattraper ? D'accord ? Et donc, non, il ne faut pas faire de moratoire sur l'IA. Je pense qu'il faut y réfléchir, mais il ne faut certainement pas faire de moratoire. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est que cette singularité chimérique de demain ne doit pas faire oublier les risques réels d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un point qui me semble essentiel. Encore une fois, si j'étais complotiste, je pourrais même me dire que les gens vous font cauchemarder sur cette intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir demain pour vous faire oublier les difficultés et les risques d'aujourd'hui. Et pourtant, ChatGPT nous l'a dit.
D'accord ? Les risques associés à l'IA sont multiples. La vie privée, les biais algorithmiques, l'automatisation, la sécurité. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant revenir. C'est un peu les différents risques de l'IA, mais non pas les risques chimériques de demain, mais les risques d'aujourd'hui. Non, j'ai eu peur, mais c'est mon nombre. C'est pas... Alors, je vous ai fait ici une petite liste, et on va les passer en revue, au fond, ce que les spécialistes, pas seulement moi, considèrent comme les risques principaux, la question de la vérité. D'accord ? Et la vérité, continuons. Je continue avec ChatGPT, je lui dis « Qui est Antoine Petit ?» Un peu narcissiquement, ça peut faire du bien. Donc voilà, donc ChatGPT répond ça. Et vous avez vu le résumé superbe qu'il a fait tout à l'heure, total respect. ChatGPT dit ça, donc dit total respect. Sauf qu'il y a un tissu de conneries. Je ne suis pas né le 15 décembre. Et je ne sais pas où il a trouvé ça. Hein. Je vous promets. Bon, il a juste sur l'année, ne le dites pas. Mais, d'accord ? Je n'ai pas été nommé au CNRS en 2017, mais en 2018. Je n'ai jamais été directeur général délégué à la science du CNRS. Et je n'ai jamais été directeur scientifique en charge de l'informatique du CNRS. C'est le même ChatGPT qui a fait le super résumé tout à l'heure. Je continue. Je dis, tu sais qui est Jean Métron ? Donc là, vous ne savez pas. Lui, il sait. D'accord, un historien français, etc. Donc, toi, figure importante dans le domaine de l'histoire sociale du moment ouvrier. D'accord ? Savant, ce ChatGPT, quoi. Et je lui dis, est-ce qu'il y a un lien familial avec Antoine Petit ? Il dit, ben non. Sauf que c'était mon grand-père. Conclusion. Quand j'utilise ChatGPT, il y a du juste. Même du... vraiment du bien. Le résumé, honnêtement, il était bluffant. D'accord ? Il y a de l'à peu près. Je suis pas né le 15 décembre, c'est une autre date. Est-ce que c'est grave ? Je ne suis pas arrivé en 2017, en 2018. Ouais, c'est, hein. Il y a du truc qui est carrément faux. Et puis, il y a quand même des trous. Parce que si vous allez sur ma page Wikipédia, c'est écrit que je suis le petit-fils de Jean Métron. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si demain, vous utilisez ChatGPT et que vous n'êtes pas spécialiste du sujet, comment allez-vous savoir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste ? Et ça, la réponse, c'est... Eh bien, vous ne pouvez pas. D'accord ? Donc, c'est sûrement un outil formidable. Encore une fois, CF, le résumé que je vous ai donné. Là, franchement, j'aurais pas fait mieux. Mais d'un autre côté, si on rentre un peu dans des trucs plus techniques ou plus précis, c'est une cata. Alors, vous allez me dire, c'est ChatGPT, et demain, il va y avoir, ils auront d'autres noms, des agents conversationnels qui feront moins de fautes que ça. C'est vrai. Mais avant d'avoir des gens conversationnels qui ne font pas de fautes, c'est fini. C'est comme si nous, on ne faisait pas de fautes. D'accord ? Donc ça veut dire vraiment qu'il faut réfléchir à cette notion de vérité, ce que j'écrivais là. Hein ? La question de la vérité des fausses nouvelles, c'est vraiment une question. La question aussi de la personnalisation versus les bulles filtres. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est-à-dire que si vous vous connectez, par exemple, sur Allociné et que vous êtes allergique au film en VO, vous avez envie, la troisième fois, que Allociné vous présente plus les films, les séances en VO, parce que vous dites, je vais pas voir les films en VO, j'aime pas ça. D'accord ? Ce qui est un vrai plus. Mais d'un autre côté, vous allez petit à petit vous retrouver enfermé dans votre bulle d'information et vous en sortirez pas. D'accord ? Et donc, la notion de vérité, pas quelque chose de simple. Quand j'étais petit, la vérité, c'était vu à la télé. Hein, c'est-à-dire qu'il est vu à la télé, ça veut dire que c'était vrai. D'accord ? C'est pour les plus vieux d'entre nous, ça. Ensuite, il y a eu vue sur Internet. Demain, il ne faudra pas que ça soit dit par ChatGPT, parce que ça ne sera pas plus vrai. Et ça, c'est une question fondamentale, c'est quoi la vérité ? C'est quoi... Voilà. Et ça, c'est un point dans lequel, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez toujours à l'esprit. Donc, premier risque réel. Deuxième risque, la question de la transparence, de la loyauté, l'acceptabilité, l'explicabilité des algorithmes. J'en ai parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure sur le mélanome. Je vais prendre un autre exemple qui est tous anti-Covid. Vous vous souvenez de toute la polémique autour de tous anti-Covid. Et ce qui est amusant avec tous anti-Covid, c'est qu'il y a des gens qui disent « Non, jamais je n'utiliserai tous anti-Covid. Il est hors de question que je partage des informations avec l'État. »
Mais les mêmes gens, les mêmes, ils ont des comptes Facebook, Instagram, ils ont un Gmail avec lesquels ils partagent des informations, mais de façon sans commune mesure, avec les toutes petites informations que leur demandez portez-vous anti-Covid. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis juste que nous, êtres humains, on n'est pas toujours totalement rationnels. C'est ce qui fait notre charme. Et donc la question de savoir qu'est-ce que vous allez accepter, c'est une vraie question. Prenez Parcoursup. D'accord, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Parcoursup ou utilisez Parcoursup. On accuse Parcoursup d'à peu près tous les maux. La question qu'on peut se poser, c'est comment c'était avant. Franchement, ce n'est pas mieux. C'était même plutôt pire. Et donc, cette question absolument essentielle de quand un algorithme va faire une proposition ou faire un diagnostic, à quelles conditions est-ce qu'on est prêt à l'accepter ? Aujourd'hui, vous montez dans un avion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pilote ne sert plus à grand-chose parce que tout le logiciel a été certifié et vérifié. Aucun d'entre vous n'est jamais, je suppose, resté dans l'avion en disant « Attendez, moi, j'aimerais bien voir les preuves, là, du logiciel là, qui va me conduire à l'autre bout, là. » Donc, vous faites bien de ne pas les demander parce que, un, ils ne les ont pas, et deux, que s'ils les avaient, vous seriez incapables de les lire. Mais on n'a pas la même réaction, puisque nous, les mêmes, on va demander des explications pour Parcoursup ou tout ça. Et le fait que la machine apprenne de façon différente de nous, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, fait que c'est très compliqué de dire il faut des algorithmes explicables. Mais comme fondamentalement, on ne sait pas exactement ce qu'ils apprennent, c'est une vraie question. Et c'est difficile parce que peut-être qu'il apprend mieux que nous. D'accord ? Donc cette question-là est un vrai risque. C'est quel pouvoir va-t-on donner à la machine ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la machine, essentiellement, elle apprend sur des jeux de données de plus en plus importants. Si vous lui donnez un jeu biaisé, d'accord ? Alors il va apprendre de façon biaisée. Rappelez-vous les premiers agents conversationnels, je crois que c'était Microsoft, qui se sont mis à tenir des propos racistes ou antisémites, mais c'est juste parce qu'on leur avait mal appris, d'une certaine façon. D'accord ? Et là, c'était facile de montrer qu'on leur avait mal appris, qu'on leur avait fait apprendre des phrases racistes ou antisémites et qu'ils les répétaient. Mais si dans le million d'images de chats que vous avez mis, vous avez mis, je sais pas moi, 100 000 images de vaches, ben peut-être qu'à un moment, ils vont dire « Ah oui, ça c'est un chat, alors c'est une vache. » Alors dans un exemple comme celui-là, c'est facile parce que vous allez pouvoir le retirer. Imaginez la machine qui a appris au jeu de Go. Si dans le jeu de Go, vous lui avez fait apprendre des coups qui ne sont pas autorisés, c'est extrêmement difficile de lui faire désapprendre. Et donc, comment on fait ? C'est une vraie question compliquée. Ça, c'est un vrai risque. C'est quel pouvoir on donne ? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? Qu'est-ce qu'on demande comme garantie ? C'est une question qui n'est absolument pas simple. Autre question ou risque essentiel, c'est la question de l'éthique. Et je vais prendre un seul exemple. C'est l'homme réparé. Je pense qu'on est tous d'accord pour trouver ça formidable. Aujourd'hui, là, vous avez un exemple de quelqu'un qui a une prothèse à la jambe. Aujourd'hui, le nombre de gens qui ont des implants cochléaires est absolument énorme. Les implants cochléaires, c'est des implants qui vous permettent d'entendre. Et il y a même des gens qui étaient sourds de naissance qui ont entendu grâce à ces implants cochléaires. Et donc, on est, je crois, tous d'accord pour dire que c'est absolument formidable d'avoir des implants cochléaires. Mais demain, imaginez qu'on sache faire ça pour la vue. On ne sait pas encore le faire complètement, mais on commence à le faire. Aujourd'hui, il y a des prothèses qui permettent, non pas de voir comme vous voyez, mais qui permettent de voir quelques dizaines de pixels, ce qui est un progrès fabuleux pour les gens qui ne voient rien. D'accord ? Maintenant, imaginez, c'est un peu de la science-fiction, mais imaginez qu'on sache remplacer des yeux. Quitte à se remplacer un œil, d'accord ? Autant s'en mettre un avec une vue d'aigle, plutôt avec une vue de taupe. On sera d'accord. Mais à ce moment-là, on augmente l'homme, on ne le répare plus. Et donc la question de savoir où s'arrête la réparation et où commence l'augmentation, il n'y a absolument pas une réponse binaire. Et donc la question de l'éthique, elle est absolument fondamentale. Cette éthique, elle est d'autant plus compliquée que ce n'est pas un facteur universel. Il y a une question d'éthique dont on parle régulièrement, c'est la reconnaissance faciale. D'accord ? C'est la capacité de la machine, d'accord, de dire « Ah, tiens, bonjour, monsieur Alice. » Parce que si vous allez en Chine,
Vous rentrez dans un magasin, ils ont des systèmes de reconnaissance faciale, et je rentre dans le magasin, et on va me dire « Bonjour, monsieur Petit ». Si on me fait ça en France et que c'est un magasin que je ne connais pas, je repars en courant. Mais le Chinois, qui est ni moins bête ni plus bête que moi, le Chinois, il est content. Regarde, ils m'ont reconnu. D'accord ? Et vraiment, j'insiste sur le fait que ce n'est pas qu'il a raison et ou tort, et moi le contraire. C'est juste que ces questions d'éthique sont des questions qui ne sont pas universelles. Donc il y a une vraie difficulté qui est de comprendre où commence quelque chose qui, de notre point de vue, n'est plus éthique, avec le fait que, je reprends cet exemple, homme réparé versus augmenté, c'est pas clair. Et en plus, si la réponse n'est pas la même selon qu'on est ici, à Pékin ou aux États-Unis, c'est pas facile. C'est pas nouveau, si vous réfléchissez bien. C'est bien, cette question d'éthique. Hein. Prenez un sujet qui, moi, me fascine toujours, c'est le rapport avec les armes qu'ont les Américains. Honnêtement, moi, à chaque fois, et j'imagine que pour vous, c'est pareil, à chaque fois que vous entendez une information comme quoi il y a eu une tuerie dans l'école machin, où vous dites, ils sont tarés. Ils ont qu'à interdire les armes, on n'en parle plus. D'accord ? C'est impossible à faire aux États-Unis. Et encore une fois, qui suis-je pour dire j'ai raison, vous avez tort ? D'accord ? Et donc, cette notion d'éthique, elle va bien, enfin, c'est pas le premier exemple, ça ne sera pas le premier exemple, l'intelligence artificielle, dans lequel on a des conceptions de l'éthique qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, ou d'une partie du monde à l'autre. Et c'est d'autant plus compliqué pour l'intelligence artificielle qui est quand même diffuse et un peu partout. Alors, trois, je ne sais pas combien j'en suis, risque, autre risque absolument réel, tout ce qui est cyberattaque, qui va avec cyberdéfense, cybercriminalité, qui est souvent lié à des bugs dans les logiciels. Ça, des exemples, vous en avez plein. Hein. Un bug, c'est quelque chose qui, dans un programme informatique qui va faire des centaines de milliers ou voire des millions de lignes, il y a un moment, un truc qui a été mis ou sans le faire exprès, si c'est un bug non voulu, ou de façon intentionnelle, et qui va se déclencher un jour, et qui peut arrêter la machine, ou qui peut, pire encore, lui faire des choses qu'on n'aurait pas envie qu'elle fasse. Et il y a régulièrement des exemples, et c'est pas ça, pour le coup, c'est pas la singularité de demain, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc cette notion des bugs, cette notion de cyberattaque, cybercriminalité, c'est un vrai sujet pour les États, c'est un vrai sujet pour les entreprises, c'est un vrai sujet pour les particuliers, même si c'est moins grave. Et il y a plein de recherches qui sont conduites pour essayer de minimiser les bugs et de rendre les systèmes moins sensibles aux attaques. Et ça, on crée des... Comme pour un coffre-fort, on peut créer des coffres-forts de plus en plus sophistiqués où qu'il est de plus en plus difficile d'attaquer. Pour les logiciels ou les protocoles, c'est la même chose. Mais évidemment, si l'enjeu est important, vous avez des hackers qui risquent d'y mettre des moyens importants. C'est comme si c'est pour piquer votre petit cochon dans lequel vous avez 2,50 €, les gens ne vont probablement pas faire beaucoup d'efforts. Si c'est pour piquer la Banque de France avec des tonnes d'or, je suppose qu'il y a des tonnes d'or à la Banque de France, je sais jamais aller, là, c'est pareil. Là, si vous avez une capacité d'arrêter un État ou d'arrêter une grande entreprise, vous avez des gens qui vont déclencher des efforts particuliers. Et donc ça, c'est un vrai exemple aujourd'hui. Et plus on est entouré d'intelligence artificielle, plus on est entouré d'informatique, plus évidemment ces attaques sont problématiques. La question des données. Tout à l'heure, j'ai commencé à le dire très rapidement. Donc les données, c'est une question qui, là encore, n'est pas simple. Parce que si je vous demande à qui appartiennent vos données, les vôtres, votre réponse va être sans doute, la réponse est dans la question, mes données, elles sont à moi. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi j'en suis pas si sûr ? Parce que d'abord, il y a toute une partie de vos données personnelles, en partie vos données de génétiques, que vous partagez avec votre famille. D'accord ? Et d'autre part, on a un système social qui est quand même basé sur le fait qu'on n'est pas capable de distinguer les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez que, on vous dit, voilà, cher monsieur, on a analysé vos données et vous avez un risque cardiaque qui est 100 fois plus grand que les gens d'à côté,
Et donc, on peut vous assurer, mais ça va vous coûter 100 fois plus cher. Si vous êtes la personne auquel ça coûte 100 fois moins cher, vous serez peut-être d'accord. Et donc, le fait d'être capable d'avoir ces données est un vrai sujet. Et ces données, et une des difficultés qu'il peut y avoir, c'est que les données, on peut les avoir de façon indirecte. Je vous donne un exemple simple. Vous savez que maintenant, quand vous allez au supermarché, en tout cas dans certains supermarchés modernes, vous passez avec votre cali, là, ça scanne tout, vous ne sortez rien sur le plateau. C'est quand même absolument formidable. C'est vrai, c'est quand même pratique. Le problème, c'est que si le supermarché a passé un accord avec mon assurance, il me dit quand même, monsieur Petit, là, tous les vendredis soirs, vous achetez 2 bouteilles de whisky. Alors j'expliquerai que c'est pour l'équipe de rugby avec lequel... D'accord ? Et donc ça veut dire que si vous croisez les données, vous allez fournir de l'information qui est probablement quelque chose qui peut être mal utilisé. Et donc là, il y a un vrai sujet, qui est un sujet extrêmement difficile, qui est de savoir comment on contrôle la circulation de ces données avec la formule qu'il ne faut jamais oublier, c'est si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. D'accord ? Et donc le fait qu'avec ces données, pour des raisons de santé ou pour autre chose, on arrive à une espèce de bonus-malus, c'est un vrai sujet qui est encore une fois compliqué. Donc ça, c'est un vrai risque toujours. Autre élément, et j'ai bientôt fini, c'est bien sûr la question du remplacement progressif de la main-d'œuvre par les machines. Donc là, je vais être contrasté. C'est une image qui vous démontre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de poissonneurs dans le métro, il n'y a plus de conducteurs de calèche, il n'y a plus d'allumeurs de réverbères, et il n'y a plus d'opératrices de téléphone. D'accord ? Et pour autant, je ne suis pas sûr que vous soyez prêt à renoncer à l'électricité, à la voiture, au smartphone ou à je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc le fait qu'il y ait des évolutions dans les métiers, ça je crois que c'est incontestable. Le fait que l'IA va faire disparaître un certain nombre d'emplois est absolument incontestable. D'accord ? C'est-à-dire, les gens qui disent le contraire, c'est juste des menteurs. Et oui, l'IA va faire disparaître un certain nombre d'emplois. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'IA va créer des emplois. D'accord ? Et à part les grands cabinets qui sont capables de vous faire des précisions à 20 ans, vous expliquant qu'il y a 53,2% des emplois acquis, etc., déjà, de façon générale, quand vous voyez une étude, c'est une remarque méta de, avec ma casquette d'ancien mathématicien, quand vous voyez une étude prospective à horizon 20-30 ans, et quand il y a un chiffre après la virgule, vous pouvez dire que ce n'est pas des gens sérieux. D'accord ? Parce que qu'on vous dise qu'il y a à peu près 50% des emplois qui vont être impactés, voilà. Si on vous dit qu'il y a 53,2% des emplois qui vont être impactés, ça, juste, ce n'est pas sérieux. Vous pouvez vous économiser la lecture. Et donc, oui, clairement, l'IA va supprimer un certain nombre d'emplois. Oui, l'IA va bouleverser plein d'emplois. Maintenant, c'est vrai aussi que l'IA va former, va nécessiter des emplois, qui ne sont pas les mêmes, hein, bien sûr, mais il n'y a plus, encore une fois, d'allumeur de réverbère. Et donc, voilà. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet, mais sur lequel, je pense, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, tous les risques que je viens d'énumérer rapidement, je reviendrai sur le dernier que je n'ai pas commenté. Il faut être conscient, et ça, pour nous chercheurs, c'est évidemment un point important, qu'on a de nombreuses recherches qui doivent être menées, à la fois des recherches en mathématiques, en informatique, prévenir les bugs, essayer d'analyser les données, mais aussi des recherches en sociologie, par exemple, en géographie, parce qu'on a besoin aussi de comprendre notre comportement. Et il n'y a que les sociologues ou les gens des sciences humaines et sociales qui sont capables de le faire. Et bien sûr, c'est aussi des collaborations entre les deux qui sont nécessaires. Je reprends l'exemple de Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid, ça a été conçu par des gens qui étaient purement des techniciens, qui n'ont pas réfléchi au fait que ce ne serait pas accepté par les gens. Donc, alors qu'il fallait dès le départ s'interroger sur savoir qu'est-ce que les gens seraient prêts à accepter, qu'est-ce que les gens ne seraient pas prêts à accepter. Voilà. Donc, finalement, en guise de conclusion, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais bon, en guise de conclusion, d'abord, l'IA, ce n'est pas seulement maintenant, c'est l'avenir, et je crois vraiment que ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire que c'est quelque chose auquel on pourrait renoncer. Par contre, il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est qu'au fond, on n'est pas vraiment capable de prévoir les applications de demain ou d'après-demain. Encore une fois, rappelez-vous, Google, c'est 1998.
d'accord, il y a 25 ans. D'accord. Si vous revenez 25 ans en arrière, qui aurait été capable d'expliquer ce qu'allait être le monde aujourd'hui, d'un point de vue informatique et IA? Je pense personne. D'accord. Ou peut-être il y en a un qui, par chance, aura eu juste, mais c'est juste par chance. Donc, quel va être le monde dans 25 ans? Je pense que personne n'est capable de le décrire avec précision. Et très clairement, on va avoir de plus en plus d'utilisation de l'IA, mais encore une fois, avec des applications qui ne sont même pas encore dans le cerveau des uns et des autres, parce que ces applications, elles vont bien sûr dépendre de la conception qui va être la nôtre, mais elles dépendent aussi de la puissance des machines ou de la capacité à avoir de nouveaux algorithmes. Et aujourd'hui, j'insiste pas, c'est pas le sujet, on sait apprendre sur des quantités de données qui sont moins importantes que celles que j'évoquais. Et ça, c'est un petit ployé pro-domo pour la France et l'Europe. Vous savez que c'est un domaine, l'IA, dans lequel il y a énormément d'efforts financiers, en particulier, qui sont faits, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, on a quand même une culture mathématique, une culture informatique qui sont absolument clés, parce que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de maths et beaucoup d'infos. Par contre, on n'a pas les GAFAM, on n'a pas l'équivalent non plus asiatique. Donc on a des atouts, mais on n'a pas tous les atouts, et il faut sûrement faire des choix. Et il y a des risques, je l'ai dit. Je ne vais pas les reprendre, puisque je les ai tous évoqués. Je voudrais juste évoquer le dernier. C'est, moi, je suis quand même assez frappé du fait que aujourd'hui, on ne donne pas aux gens un minimum de formation pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et c'est vraiment particulier à l'école. D'accord ? À l'école, il y a les enfants qui aujourd'hui ont, je sais pas, 5, 10, 15 ans, ils vivent un monde qu'on ne leur explique absolument pas. Il ne s'agit pas de dire qu'ils vont devenir des spécialistes. Mais quand vous étiez petit, on vous expliquait le principe de Newton avec la pomme qui tombe. Vous comprenez la gravité, ça vous aide quand même vaguement à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, qu'on n'apprenne pas aux enfants toutes les opportunités, il ne s'agit pas de leur cacher, mais aussi les risques que ça peut avoir, je pense qu'il y a un vrai sujet, et toutes les questions dont on parle beaucoup en ce moment sur le harcèlement scolaire sont aussi liées à ça, et je pense qu'il y a vraiment un sujet d'éducation et de formation, et notamment... C'est une petite pique pour toi, Bernard, mais pas seulement. Des décideurs qui sont devant un monde qu'ils ne connaissent pas, avec des constantes de temps qui ne sont pas les mêmes. Et là, il y a, je crois, un vrai sujet. Et puis, pour finir, quatre convictions. D'abord, alors, vous pouvez me qualifier d'optimiste. J'accepte ce qualificatif. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de crainte à avoir majeure, mais qu'il faut prévoir une coopération entre l'homme et l'IA, et pas leur opposition, mais que cette coopération, elle doit se faire avec un certain nombre de règles qu'il nous appartient de définir. D'accord ? Donc il y a la question de l'éthique, qui pour moi est absolument clé. L'éthique, hein, c'est tout ce que j'ai dit, c'est homme réparé versus augmenté, c'est est-ce que j'écrase la vieille dame ou le petit garçon, c'est est-ce que j'accepte qu'une société d'assurance ait mes données personnelles de santé, etc. D'accord ? Et je pense que c'est de notre responsabilité de construire cet avenir numérique qui corresponde à nos valeurs. Et encore une fois, nos valeurs, le « no », il n'est pas complètement clair, parce qu'il peut y avoir des valeurs universelles. Je pense qu'heureusement, il y en a un certain nombre. Et puis, il peut y avoir des valeurs qui sont plus par région du monde, voire par pays. Et un point qui, à mon avis, est absolument clé, c'est qu'il faut absolument, et ce n'est pas tout à fait la situation aujourd'hui, il faut le reconnaître, que cet avenir numérique, eh bien, d'une certaine façon, les opportunités l'emportent sur les risques. Et donc, il faut que cet avenir numérique soit bénéfique, non pas à quelques-uns, que ce soit quelques États ou quelques grands groupes, mais que ce soit bénéfique à l'ensemble de la société. Et je pense qu'on a quelques exemples, peut-être même la majorité des exemples, dans lesquels c'est bénéfique à l'ensemble de la société, mais il nous appartient d'être vigilants pour faire en sorte qu'à la fin, oui, il y a des opportunités, oui, il y a des risques, mais il nous appartient d'être vigilants pour faire en sorte que la balance penche du bon côté. Je vous remercie. Bien sûr que vous pouvez tomber la veste.
Alors, je dois dire que tout à l'heure, à la question « c'est un rhinocéros » ou je ne sais plus quoi, tout de suite, les gens ont répondu dans la salle, mais sur Internet aussi. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un rhino, et il y en a même un qui a précisé que c'était un rhinocéros. Voilà. Bon, ils s'amusent bien aussi, hein, les spectateurs sur YouTube. Il y en avait 300 personnes qui suivaient votre conférence. Merci, merci beaucoup pour ces explications très claires. Alors, malgré tout, je suis sûre que vous allez avoir des questions à poser. Donc, on va vous laisser. Je voudrais juste... j'ai entendu une information ce matin qui m'a interpellée. Vous savez, il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis et des acteurs à cause de la peur justement de ChatGPT. Et ce matin, j'ai entendu que des écrivains français, des romanciers, se mettaient aussi ensemble pour essayer de défendre des droits, parce qu'il y en a un qui expliquait qu'il avait demandé à ChatGPT de parler des personnages secondaires de son roman. Et ChatGPT l'a fait très très bien. Sauf que les personnages secondaires de son roman n'ont jamais été évoqués nulle part dans aucun article de presse, etc. Ce qui veut donc dire qu'on lui a donné à lire ce roman sans que, bien sûr, il y en ait eu l'autorisation, etc., etc. Ça commence aussi à impacter un petit peu ce milieu. Vous en avez entendu parler ? Oui, oui, j'en ai parlé, mais je vais être un peu cynique. C'est que si ChatGPT fait aussi bien que les scénaristes, bah, tant pis pour les scénaristes. Oh, non. Non, non, mais si vous voulez, je crois encore que les scénaristes, c'est à eux d'être plus imaginatifs. Enfin, moi, quand j'étais, vous n'avez pas abordé ça dans mon CV, qui est pas si terrible, il se trouve que j'ai, sans faire exprès, j'ai enseigné une année en lycée, parce que je n'ai pas eu le choix. Ah, vous ne me l'avez pas dit, ça. Hein. Non, mais j'étais tout petit, c'est pour ça. Ah. Et c'était au moment de l'introduction des calculettes. Et il y avait un certain nombre de profs de maths. Ah non, non, mais on ne peut pas introduire les calculettes parce que qu'est-ce que vont faire les élèves maintenant ? Maintenant, ils ont des ordinateurs et on fait encore des maths. Donc, je veux dire par là que si ChatGPT est utilisé comme un outil, c'est formidable. Un outil avec ses limites. Hein. Encore une fois, vous utilisez ChatGPT, il faut bien comprendre ce que c'est. Une fois, j'ai un de mes collègues qui, pareil, il demande un résumé comme je l'ai fait là et il dit à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner deux, trois références ? Donc, ChatGPT donne deux, trois références. Et donc, mon collègue va voir les références qui n'existaient pas. Et il dit à ChatGPT, mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Un menteur. Et j'ai dit, mais moi, attends, je suis une intelligence artificielle, je t'ai construit les références comme je t'ai construit le reste du texte. Et c'est normal, si vous y réfléchissez bien. Il n'a pas compris un mot de ce qu'il m'a raconté. D'accord ? Donc, il raconte un truc, ce qu'on appelle les IA génératives, donc il engendre un truc. Il faut engendrer des références, il engendre des références. Et donc, le fait qu'il raconte des histoires sur les personnages secondaires du truc, c'est normal, c'est son boulot. Bon, d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Vous faites signe ? On vous apporte... Oh bah, bien sûr, André. Quand même, je m'étonne d'ailleurs que ni Caroline ni Nolwenn ne soient allées déjà donner le micro à André. Il faut anticiper. Hein. Vous savez, c'est chaque semaine la question d'André, quel que soit le sujet de la conférence. André. C'est la même question à chaque fois, non ? Ah non, ah non, non, non. André se documente. André est très documenté. André. Oui, bonsoir. Ma question est simple, finalement. À quelle source peut-on vérifier qu'elle soit sûre ? S'informe ChatGPT, quoi, au point de vue technique, scientifique, mathématique, des domaines sociaux, de la vie, etc. À quelle source, qui soit fiable, s'informe-t-elle pour apprendre ses connaissances, quoi ? D'abord, il me semble qu'il y a deux questions à votre question. C'est à quelle source doit-on s'informer ? C'est toutes les sources à la fois. Je pense qu'il faut que vous appreniez. Nous avons appris depuis tout petit à ne pas faire confiance à une personne. Enfin, si, quand on est petit, on croit à son papa, à sa maman. Puis après, on se rend compte que la vie est un peu plus compliquée que ça. Mais quand vous êtes chercheur, par exemple, ben, vous n'allez pas lire un article. Vous allez en lire 50, vous allez regarder. C'est ça. ChatGPT, la manière dont ces IA génératifs fonctionnent, c'est vous leur donnez des milliers de textes et il apprend à former des phrases en fonction de ça.
Et il y a par exemple un biais qui est important, c'est la plupart des textes qu'on donne à ChatGPT sont des textes qui sont écrits en anglais. Et en fait, à la fin, quand je demande un résumé en français, en fait, il fait son résumé en anglais, il le traduit en français. Et les spécialistes vous diront qu'il y a des biais, enfin, la manière dont on parle, on raisonne, on réfléchit en français ou en anglais n'est pas exactement la même. Ce n'est pas des années-lumière, mais ce n'est pas exactement la même. Donc ChatGPT, en fait, ça a pris plusieurs mois et ça coûte plusieurs centaines de millions de dollars de faire apprendre à ChatGPT tout ce qu'il sait. Et c'est une des limites des IA génératives aujourd'hui, c'est que entraîner une IA générative, ça coûte extrêmement cher, ça prend extrêmement de temps. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui considèrent que l'avenir n'est pas aux IA génératives généralistes comme ChatGPT, mais plutôt des IA génératives plus spécialistes, où une entreprise, par exemple, va donner à une IA générative toutes ces données, va les donner, donc là je mets des guillemets autour de données, parce que l'entreprise n'a aucune envie que ces données elles soient publiques. Donc, en fait, pour répondre à votre question, ChatGPT, il a appris pendant plusieurs mois, si vous avez vu, il y a une des réponses qu'il me fait, où il me dit, tout ça est basé sur des connaissances que j'ai eues jusqu'en 2021, si c'est passé des trucs oui. nouveaux depuis, j'en sais rien. D'accord ? Et donc, en fait, c'est comme ça que ChatGPT a été entraîné. Il a été entraîné pendant des mois avec des données, donc il apprend à construire des phrases. C'est-à-dire qu'il apprend à, grosso modo, savoir quel va être le mot suivant, quelle va être la phrase suivante, voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas fiable en soi. C'est que c'est pas un moteur de recherche, ChatGPT. C'est quelque chose qui construit des phrases. Et c'est pour ça, par exemple, que l'exemple avec mon grand-père, qui est tout bête, vous prenez ma page Wikimedia, c'est marqué dessus, mais mon jour de naissance, j'en sais rien, peut-être, je ne suis pas allé regarder. Et donc vous voyez bien que ChatGPT n'a pas appris un truc. Je ne sais pas pourquoi il a décidé que c'était 15 décembre. Et comme sur Jean Métron et Antoine Petit, personne ne lui a jamais fait lire un texte qui va ça et qu'il n'a aucune raison de deviner que l'un est le grand-père de l'autre, c'est pour ça qu'il dit ben là, je ne sais pas. Eh ben, je suis plus forte que ChatGPT parce que je crois que vous êtes né en juin. Pas mal. Il ne vous reste plus qu'à trouver le jour et vous avez gagné. Je crois qu'il y a une question du côté de Caroline. Oui, bonsoir. C'est justement cette question des données qui me retient, moi, avec toute cette nouvelle technologie. Vous disiez, on leur donne, on fournit les données, etc. Mais je me dis que finalement, l'intelligence artificielle va avoir les mêmes défauts que nous. Il aura appris des choses dépassées, fausses, hein, parce que vous parlez de Wikipédia, mais combien de profils sont faux et sont, puisqu'on peut les corriger hein, quand on est agréé. D'ailleurs, on doit vraiment être, comme vous disiez, c'est une opportunité, mais il y a des risques et il faut faire la part des choses, à mon avis. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Non, mais vous avez tout à fait raison. D'abord, parce qu'il va apprendre sur une partie de données qui est fausse, mais j'ai envie de dire c'est presque pire. C'est-à-dire que vous pouvez être mal intentionné et délibérément lui faire apprendre des choses qui sont fausses. Donc oui, ça fait partie du grand enjeu. Donc il y a des vraies questions sur savoir est-ce qu'il faut des modèles ouverts, c'est-à-dire tout le monde sait ce que tout le monde apprend, mais ça pose des difficultés, des problèmes de confidentialité, par exemple, pour les entreprises. Donc ça fait partie des grands sujets. Et on a été, très honnêtement, on a été en France et en Europe d'une naïveté assez confondante pendant des années. Ouais, quand j'étais à INRIA, une de mes blagues préférées, c'était quand je rencontrais un ensemble de députés ou de sénateurs, c'était de dire qui a une adresse Gmail. Et donc là, ils étaient tout contents de lever la main et de dire ah, moi. Et là, je leur expliquais qu'en tant que député, ils étaient quand même totalement irresponsables d'avoir une adresse Gmail, puisque si ceux d'entre vous qui ont une adresse Gmail, hein, bien que vous ne soyez pas député ou sénateur, tous vos données, tous vos messages sont lus par Google. D'accord ? Alors, vous pouvez dire, ça m'est égal. Vous avez probablement raison dans 99,9999% des cas. Puis, de temps en temps, ça serait mieux que Google ne le lise pas. Et donc, on a été pendant longtemps en France totalement naïve, en France et en Europe, naïve sur cette notion des données, sans comprendre que les données, à un moment, il y avait une formule, et comme toutes les formules, elle a ses limites, mais que les données, c'était le pétrole du 21e siècle. D'accord ? Le pétrole, on ne le donne pas. On l'exploite.
Alors, la difficulté aussi, c'est que je vous ai expliqué, ce qui fait la force des données, c'est leur caractère massif. C'est-à-dire que mes données personnelles tout seul à moi, tout le monde s'en fout. C'est nos données, aux, je ne sais pas combien il y en est, aux quelques centaines que nous sommes là, grosso modo, ça ne sert à rien non plus. Si par contre, on a les données de 10 millions, 20 millions, ou 50 millions, ou 100 millions de gens, là, on apprend des choses. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre dire qu'au niveau français, c'est probablement insuffisant, mais au niveau européen, il faut partager des données. Mais peut-être, ce n'est pas une bonne idée de les donner sans compensation aux GAFAM. Ouais. Alors, on a peut-être, des... vous avez compris que c'est un euphémisme. On a des habitués dans la salle pour poser des questions. On a des habitués aussi sur notre chaîne YouTube. Il y a entre autres un petit garçon qui a 11 ans, qui s'appelle Oscar. Il n'est pas couché alors pose une... Pardon ? Il n'est pas couché à ce moment-là ? Ah non, jamais le mardi soir. Ah pardon. Peut-on débrancher les IA si l'on constate un emballement ? Est-ce la solution vu que l'on ne peut pas les faire désapprendre ? Je pense que la réponse est plutôt non. La réponse est plutôt non, parce que débrancher les IA, ça veut dire que demain, vous arrêtez tous d'utiliser votre smartphone. Mmh. Si le petit garçon est prêt à ne plus utiliser son smartphone, je pense que son papa et sa maman vont être contents. Mmh. Donc non, je pense que la réponse est plutôt non. On ne peut pas débrancher les IA. Alors, une autre question. Il y en a une dans la salle. Alors, allez-y, je vous en prie. Et puis, on vient vers vous aussi, Caroline. Il y a une question ici après. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'interrogeais parce que vous avez parlé du fait que c'était notre responsabilité collective, du coup, de savoir comment on voulait l'utiliser, justement, l'intelligence artificielle, et aussi qu'il fallait qu'on ait toujours l'éthique qui nous accompagne, en fait, sur cette thématique-là. Mais du coup, où ça se passe, quand, avec qui ? Parce que, enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des espaces qui existent et qui font, qui intègrent des citoyens, des citoyennes ? Est-ce que, enfin, voilà, ça me pose la question là. Démocratisation en fait de ce sujet-là. Et voilà. Bon, c'est une vraie question à laquelle je vais vous faire une mauvaise réponse. Ma mauvaise réponse, c'est que c'est le principe de la démocratie. Alors, c'est quoi la démocratie ? C'est qu'on vit dans un pays où, a priori, nous avons le pouvoir. D'accord ? Et je suis conscient des limites de ma réponse, mais c'est quand même la réponse fondamentale. C'est-à-dire, si vous habitez la Chine, c'est pas une démocratie. D'accord ? Et ça veut dire que M. Xi Jinping, il peut décider un certain nombre de trucs du style la reconnaissance faciale, s'autoriser, s'interdire, etc. Je pense que nous, c'est aussi à nous d'expliquer. Et quand même, mine de rien, sur le long terme, on y arrive. On a, alors ça c'est pour les plus vieux d'entre nous, il n'y a plus la peine de mort en France. C'était une forme de démocratie. Il y a des choses, donc je veux dire par là que c'est aussi, encore une fois, en étant sensibilisé au sujet... Et en faisant remonter les problématiques de façon par les différentes instances. Maintenant, est-ce qu'il y a un lieu où on est tous d'accord sur un sujet ? La réponse est non, mais c'est pas plus vrai sur l'IA que sur la transition énergétique, que sur le changement climatique, où on peut avoir des avis différents. Mais je pense que, et c'était ça un peu ce que je voulais démontrer, essayer d'illustrer dans ma conférence, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut s'emparer du sujet. Il ne faut pas le subir. D'accord ? Alors, quand je dis ça, vous me dites, et vous avez raison, ok, mais concrètement, c'est qu'est-ce que je fais demain matin ? Hein ? Et là, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est pour ça que je dis que ma réponse est moyennement satisfaisante. Mais quand même, si les gens sont sensibles au sujet, si les gens font attention, si les gens, d'une certaine façon, disent, mais c'est pas demain, c'est pas normal qu'on n'ait pas une formation minimale à ça, de façon juste à comprendre le monde dans lequel on vit, on n'y arrivera pas. Alors, une question... Et quand, pardon, je finis. Et quand vous entendez un ministère, quel qu'il soit, passer un accord avec un grand éditeur américain, vous pouvez trouver ça formidable ou dire, je m'excuse, monsieur, mais ou madame, est-ce que c'est normal qu'on fournisse nos données à Google ou à Apple ou à Facebook ? Et c'est compliqué parce qu'on les utilise tous, ces outils. Et je vous demande pas de pas les utiliser, c'est des trucs formidables. Mais il faut être conscient du fait que leur caractère formidable est lié aussi au fait que le produit, c'est nous. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, en premier temps, merci pour cet exposé très intéressant. Pour éclairer ma question, je vais devoir faire une citation qui est bien connue, celle d'Albert Einstein, qui disait que le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination.
Et donc, du coup, ce que j'ai compris pour le moment de l'intelligence artificielle est plutôt basé sur des données acquises, donc un volume de data très important, mais donc qui est préexistant. Est-ce qu'aujourd'hui, les processus d'intelligence artificielle sont susceptibles de créer, c'est-à-dire d'imaginer, d'aller au-delà de ce qui est une connaissance acquise pour créer quelque chose? Si vous voulez, d'une certaine façon, ChatGPT a créé le résumé qui vous a donné. Ce résumé n'est pas quelque chose qu'il aurait lu entre guillemets une fois et qu'ils sont contentés de répéter. D'accord ? Donc la réponse, elle est plutôt oui. Autre exemple que j'ai déjà cité, c'est lorsque ChatGPT, pas ChatGPT, pardon, lorsque AlphaGo gagne au jeu de Go, à un moment, il crée un coup qu'il n'avait jamais appris, qu'il n'avait jamais vu, puisque ce coup a été considéré sur le moment. Vous savez que cette partie entre le meilleur joueur du monde et AlphaGo a été suivie par tous les joueurs de Go du monde entier, et en particulier tous les meilleurs. Et à un moment, ils étaient très contents parce qu'AlphaGo avait fait encore une fois un mauvais coup. Et ce mauvais coup... Donc oui, d'une certaine façon, AlphaGo a créé. Maintenant, il a créé parce que vous avez entraîné AlphaGo sur des données qui étaient réelles. Et pourquoi on me dit, mais comment il fait pour créer un truc qu'on n'imaginait pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que AlphaGo joue un coup, d'une certaine façon, il mesure le poids de sa position versus la position de son adversaire. Et donc, il essaye de maximiser son poids par rapport à celui de l'adversaire, d'accord, à terme. D'accord. Et donc, à un moment, il a considéré que jouer ce coup-là était une forme de maximisation, mais que cette maximisation, elle n'est pas apparue pour les gens. Donc, c'est comme ça qu'il a créé, d'une certaine façon, ce truc. Maintenant, il n'a pas créé pour rien, parce que si on lui avait donné rien, il n'aurait rien créé du tout. D'accord. Donc, est-ce qu'il a créé un truc nouveau? Oui. Est-ce qu'il l'a créé tout seul? Pas vraiment. Mais d'un autre côté, est-ce que... Alors, Einstein est probablement un mec assez exceptionnel, mais même le chercheur de base, il lit beaucoup, et il se renseigne, et puis à un moment, il a une idée, mais est-ce qu'il l'a vraiment tout seul? La réponse, elle est non. Il l'a aussi parce qu'il... Mais quand Einstein crée la relativité générale, à un moment donné, il y a une rupture par rapport à la connaissance. Quand tout d'un coup, il décide de prendre l'hypothèse de la variabilité de la vitesse du temps... j'ai envie de dire, pour ChatGPT, ça va être une erreur. Ou pour nous, c'est une erreur. C'est une erreur qui s'avère être une création, quelque chose que l'on imagine, mais qui est en rupture par rapport au passé. Non, mais qu'on ait quelques gens absolument exceptionnels, ça, je crois qu'on a, ça comptait ça, mais enfin, je ne sais pas parmi vous, mais il y en a, je veux dire, pas énormément qui se considèrent comme, pour la physique, l'équivalent de Einstein. Donc, je veux dire par là que le fait que... Est-ce que ChatGPT est moins bon qu'Einstein? C'est probablement, surtout en physique. Mais, donc, voilà. Donc, à un moment, il y a quand même dans l'histoire de l'humanité des gens qui sont exceptionnels et qui ont fait des créations que personne d'autre a fait. Ça, c'est incontestable et je ne remets pas ça en cause du tout. Il y a aussi beaucoup de créations qui sont des créations gentillettes, on va dire, utiles. Mais encore une fois, je réponds juste à votre question en disant qu'à un moment, ChatGPT a appris des choses, ou AlphaGo a appris des choses, et il a fait un truc qu'il n'avait pas vu avant. Donc c'est une forme de création. Après, je ne dis pas plus. Hein. Une question là-haut, à la mezzanine. Théo, tu passes le micro, c'est ça? Allez-y. Ça fonctionne? Oui. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je me posais la question, finalement, quand les données sont... fournis à la machine, est-ce que toutes ces images de chiens, de chats, qui les contrôle? Comment est-ce que sont contrôlées ou est-ce que sont contrôlées les informations qui sont fournies à la machine, sachant qu'on a beaucoup parlé d'éthique et du coup ce « nous » dont vous parlez ensuite sur « nous avons besoin de contrôler ce que ça pourrait donner dans notre vie », ça vient vraiment m'interpeller cette notion de qui est qui. Alors, vous avez raison. Alors, je vais être un tout petit peu technique. C'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, de l'apprentissage supervisé. Ça veut dire que quelqu'un a dit ce sont des images de chiens d'un côté, ce sont des images de chats, ou ce sont des mélanomes cancéreux, ou ce sont des mélanomes pas cancéreux.
Et donc là, c'est un étiquetage presque manuel, si je peux dire. Et donc, vous avez évidemment raison de dire que, ou de laisser entendre que si cet étiquetage a été fait de façon biaisée délibérément, vous faites mal apprendre à la machine. Après, il y a une autre forme d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage non supervisé, où vous donnez les 2 millions d'images de chats et de chiens ensemble et vous dites à la machine, débrouille-toi, apprends ce que tu veux. D'accord ? Et il y a des techniques qui permettent d'apprendre des choses là-dessus, où là, c'est moins biaisé, mais vous imaginez bien que ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats. Mais il y a certains cas dans lesquels l'apprentissage non supervisé permet d'être plus rapide, avec moins de données, mais ça ne marche pas, évidemment, de la même manière, quel que soit le sujet. Une autre question, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, merci. J'ai du mal à interpréter une des phrases que vous avez répétées 2-3 fois, je crois, à savoir qu'on ne comprenait pas complètement comment les machines apprenaient, et ça me perturbe, parce que est-ce que ça veut dire que les modèles sont fermés, privés, ou est-ce que des machines qu'on a conçues nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre comment elles fonctionnent? Ça sous-entend peut-être quelque chose de surnaturel, je ne sais pas, j'aimerais bien une explication. Alors, non, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Il y a le fait que aujourd'hui, je vais me répéter, mais vous avez donc bien compris. D'accord ? Vous avez bien compris, c'est-à-dire que, encore une fois, je reprends cette image des chiens et des chats, mais on pourrait trouver l'autre exemple. Hein. Vous lui avez donné, ça c'est les chats, ça c'est des chiens, d'accord ? Et la machine va apprendre qui sont les chats, qui sont les chiens. Mais on ne sait pas exactement comment il construit cette connaissance. D'accord ? Parce que c'est ce qu'on appelle c'est à base de réseaux de neurones, avec des réseaux de neurones qui ont des centaines de couches, où ChatGPT, c'est des milliards de paramètres. D'accord ? Et donc, non, on ne comprend pas d'un point de vue mathématique comment se construit cette connaissance. Ce qui veut dire que si vous demandez à la machine, OK, tu me dis que c'est un mélanome pas cancéreux, pourquoi ? La question elle-même n'a pas de sens. D'accord ? Et donc oui, non, vous avez très bien compris. C'est qu'aujourd'hui, et il y a des recherches en mathématiques, en informatique, qui visent à essayer de comprendre mieux comment la machine apprend et ce que la machine apprend. Ici, une question à gauche, puis après, on ira à la mezzanine. Bonjour. Et une question après. Est-ce qu'il y a des recherches au CNRS ou à l'INRIA, je ne sais pas, qui permettent de détecter les produits d'une intelligence artificielle conversationnelle ? Par exemple, détecter qu'un texte a été écrit par ChatGPT et un texte qui a des trous, des erreurs que vous aviez évoquées tout à l'heure. Tout comme il y a des recherches pour détecter les fausses images. Merci. Alors, donc vous avez raison, il y a eu des recherches il y a quelques années pour détecter les fausses images ou les faux films, etc. ChatGPT, c'est encore quelque chose qui est nouveau. Donc oui, on travaille là-dessus. À ma connaissance, mais il y a des spécialistes du sujet dans la salle, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'algorithme déterministe qui prend un texte de ChatGPT et qui vous dit que c'est écrit par ChatGPT. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un jour, parce que vous avez bien vu que là, je reprends cet exemple, le résumé... Je veux dire, j'aurais pu l'écrire, j'espère, parce qu'il est bien écrit. Mais donc, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, que le fait qu'on oblige un texte qui sort de ChatGPT à être marqué et que les gens l'utilisent en disant « c'est forcément un texte qui vient de ChatGPT », ça, c'est possible. Mais c'est un autre sujet. Mais il faut travailler et il faut que tout le monde soit d'accord, y compris ChatGPT, enfin, y compris OpenAI. Qui n'a pas forcément envie que... Question là-haut, la mezzanine. Oui, bonjour, bonsoir. Vu les performances de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un lien avec les ordinateurs quantiques ou potentiellement dans l'avenir, il y aura des connexions avec ces outils-là et des ordinateurs quantiques ? Alors, est-ce qu'il y aura un lien un jour ? Probablement. Maintenant, ce dont il faut être conscient, c'est que personne ne sait encore aujourd'hui s'il y aura un ordinateur quantique un jour. D'accord ? J'étais la semaine dernière au Havre, parce qu'il y a une grande opération de médiation scientifique qui s'appelle « Sur les épaules des géants », et la conférence introductive a été faite par Alain Aspect, prix Nobel de physique, et donc je me contente de répéter grosso modo ce qu'il dit. C'est-à-dire que le quantique, les communications quantiques, c'est une chose, les capteurs quantiques, c'en est une autre.
le fait qu'on ait un ordinateur quantique, comme vous avez un ordinateur sur votre bureau, ça, les plus jeunes d'entre vous, à peu près sûrs, seront déjà morts et enterrés depuis longtemps, même s'il y en a un jour et c'est pas sûr. Ce qu'il y aura peut-être, c'est des processeurs quantiques qui feront des opérations un peu spécifiques. Est-ce qu'il y aura un lien entre ces processeurs quantiques et l'IA ? Oui, il y en aura un, mais très franchement, aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de le dire. On en reparlera, hein, parce qu'il y a Julia Bobrov qui va venir parler justement de quantique. Et puis, on recevra, on l'espère, l'année prochaine, Alain Aspect de nouveau, qui est déjà venu ici aussi. Alors, on prend une dernière question. Hein ? Bonjour. Moi, j'avais une question surtout par rapport à votre avis. Est-ce que vous pensez que les modèles de langage open source sont plus l'avenir que finalement les entreprises privées comme OpenAI qui pourraient contrôler un peu le domaine et dont on voit l'implémentation dans Bing, dans plein de sites déjà en place en fait? Alors, le open source, intéressant de voir l'évolution d'open source. Là, il y a 20 ans, je crois qu'il y a une vingtaine d'années, il y a Roberto Di Cosmo, qui était le grand défenseur de l'open source, qui avait fait un bouquin, grosso modo, pour simplifier, contre Microsoft. Et aujourd'hui, Microsoft est un défenseur de l'open source, de façon assez étonnante. D'accord ? Et donc, oui, moi, je pense qu'il faut promouvoir l'open source. Donc, l'open source, peut-être pour les gens, ça veut dire que le code des logiciels est public. Après, il ne faut pas non plus croire que parce que je vais vous donner le code d'un logiciel, vous serez capable de me dire si le logiciel fait ce que vous voudriez qu'il fasse ou pas. Quand j'étais chercheur, mon domaine de la recherche était la vérification. Et donc la vérification consiste précisément à essayer d'avoir des méthodes mathématiques qui permettent de dire si le logiciel fait ce qu'on aimerait qu'il fasse. Mais c'est une question qui est en fait difficile parce que ce qu'on aimerait qu'il fasse, il faut le spécifier, le formaliser. D'accord ? Et puis ensuite, il faut essayer de prévoir tous les comportements possibles du logiciel. D'accord ? Donc, tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de dire quand vous montez dans un avion, vous ne demandez pas le logiciel. Mais même si on vous le donnait, vous seriez bien incapable d'en faire quoi que ce soit. Donc il ne faut pas non plus fantasmer sur l'open source. Par contre, l'open source est malgré tout quelque chose de positif parce que on peut imaginer qu'une entreprise malveillante aura plus de réticence à donner son code en courant le risque que quelqu'un découvre que quelque part il y a un cheval de Troie ou un bug que s'il est caché. Donc oui, il faut probablement développer l'open source. Après, sur les IA génératives, la question est aussi liée aux données. C'est-à-dire qui dit open source dit a priori aussi données ouvertes, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce qu'on a envie de partager les données tous d'un point de vue universel, la terre entière ? Est-ce qu'on a envie de partager nos données ? Si on était au pays des bisounours, on dirait oui. Comme on n'est pas au pays des bisounours, il est clair que si demain, d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts, toutes les données étaient rendues publiques, qui en profiterait ? C'est exactement ce que je disais dans la dernière phrase de mon dernier slide. Ça serait quelques États ou quelques industriels ou quelques grandes compagnies au détriment des citoyens et des citoyennes. Et donc cette notion d'open source, elle est formidable. J'en suis toujours un des grands défenseurs. Mais il y a aussi des limites dont il faut être conscient. Alors, juste une réaction sur Internet. Le pilote reste très important dans un avion de ligne. Ça, c'est un pilote d'avion qui écrit ça. Mais... Voilà. Et une autre... Il a raison. Une autre question, alors, qui est... qui n'est pas vraiment une question scientifique, mais qui dit nouvelle évolution, dit nouvelle fracture. Comment éviter de perdre les personnes âgées, les pauvres, les gens peu éduqués ? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? Alors, honnêtement, comme dernière question, ce n'est pas la plus facile, sauf si vous avez 3 heures encore, et ce que je ne crois pas. Je pense d'abord, je trouve l'amalgame personne âgée et pauvre, je pense que c'est deux choses qui sont quand même sensiblement différentes. Je pense qu'il y a tout un tas de fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui peuvent être extrêmement utiles aux personnes âgées. Je pense que l'accompagnement des personnes âgées est extrêmement important. Il y a des recherches sur le fait d'être capable de vérifier qu'une personne âgée n'est pas tombée, qu'une personne âgée a pris ses médicaments, etc. Enfin, il y a un tas d'applications de l'intelligence artificielle.
Après, la notion des pauvres, pour moi, ce n'est pas un problème de pauvres ou riches, c'est un problème plutôt de gens éduqués et de gens pas éduqués, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et je pense que là, ça, c'est un vrai enjeu. Il faut que cette éducation que j'évoquais tout à l'heure à l'intelligence artificielle, elle soit le plus universelle possible, c'est clair. Mais à mon avis, ça va au-delà de la pauvreté au sens strict du terme. C'est-à-dire que si on arrive à se faire en sorte que, par exemple, à l'école, il y ait un minimum... Il ne s'agit pas de dire qu'on va enseigner que l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est normal qu'on explique aujourd'hui, encore une fois, aux jeunes gens, à 5 ans, on n'est pas jeunes gens, mais aux enfants et aux adolescents, quel est le monde dans lequel ils vont vivre. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces opportunités, mais aussi tous ces dangers. Et encore une fois, on voit bien que la manière dont les outils sont utilisés, c'est par certains côtés formidable. Moi, j'ai plein de gens qui disent « Ah, j'ai retrouvé mon copain de collège il y a 40 ans, 50 ans. » Ça les amuse. Bon, très bien, moi, c'est pas mon truc, mais chacun son truc. Donc ça, c'est formidable. Et d'un autre côté, c'est les mêmes techniques qui vont aboutir à des phénomènes de harcèlement. D'accord ? Et c'est ça, une des difficultés qu'il y a probablement dans l'intelligence artificielle, c'est qu'une même technique peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. D'où les questions d'éthique que j'évoquais tout à l'heure, d'où les questions de régulation, d'où tous les débats qu'il faut qu'on continue à avoir. Voilà, un grand merci à vous, un grand merci à vous, Antoine Petit, d'être venu présenter cette conférence. Allez voir l'exposition, vous allez voir qu'on apprend encore plein de choses, puis d'une manière toujours très agréable, avec plein de quiz, plein de vidéos, avec des gens qu'on a beaucoup reçus ici aussi. On parle du blob, on parle de l'intelligence animale, on parle de l'intelligence des plantes. Et la semaine prochaine, on parle du sommeil et des rêves. Bonsoir, à la semaine prochaine peut-être, et merci de votre présence. Merci à toute l'équipe.